Naisse pour moi, mais tu comptes le faire pour un pouilleux de serviteur. Il a tes yeux. Le gosse? Il a tes yeux. Et tes cheveux. Je ne peux pas tuer quelqu'un qui me fait autant penser à toi. Nos enfants pourraient lui ressembler. Des enfants? Toi et moi? Cela nécessite un certain degré d'implication. En tout cas, beaucoup plus que ce dont tu as jusqu'à présent fait preuve envers moi. Et puis, de toute façon, qui s'en soucie? Ce que je t'offre est assez difficile à fabriquer. Je n'avais jamais travaillé avec de l'or pour produire quelque chose d'aussi fin et détaillé. Et l'inscription. L'idée m'a été inspirée par Saint Alastair MacNair. Je ne sais pas quoi dire. Demain, au cours de la chasse, nous nous enfuirons ensemble. Mais je dois d'abord sauver ce garçon. Aide-moi, je t'en prie. Tu voulais ma cape, c'est ça? J'aurais besoin de ta cape pour sauver le garçon. Cache-toi dans l'un de ces confessionnaux. Lorsque le garçon se sera échappé, je dirai à Rhinès que je l'ai tué accidentellement. Il enverra Ursus chercher une nouvelle victime et tu pourras regagner le château. Et demain, nous serons libres? Demain. J'ai fabriqué ce gant de métal spécialement pour vous. Vous n'oserez jamais vous en servir contre moi, pas vrai? Je vais prendre ça pour un... peut-être pas. Ce gamin ne veut pas comprendre qu'au bout d'un moment, il faut céder face à la torture. S'il continue comme ça, je ne sais pas ce que je suis capable de lui faire.
Vous saignez de la jambe, non? J'en ai bien l'impression. Dites-moi, depuis combien d'années frère Inès vous interdit-il de vous auto-infliger des blessures? Je devrais peut-être aller le lui dire. Ou bien comptez-vous me donner ce que vous cachez là-dessous? Fergus, mets ça! Il est temps de te faire sortir d'ici. Nous allons faire croire à Ursus que tu es Kaïtir et que tu es malade. Lorsque tu seras dans le tonneau et que le chariot se mettra à bouger, récite sans « Je vous salue Marie ». Enfonce-toi dans les bois et marche sans t'arrêter jusqu'à Aberdeen. Je te donnerai quelque chose de très précieux. Vends-le et embarque sur un navire en partance pour l'Europe. Je me fiche de savoir ce que vous avez fait avant, Diacre Iago. Vous êtes un homme bon. Ne dis pas de bêtises. Venez avec moi. Nous irons au Vatican pour convaincre le pape de brûler ce livre maudit. Non. J'ai quelque chose à finir. Prends garde à ne pas être suivi. Et quand ce pouilleux est tombé, il s'est agrippé à mon médaillon et l'a emporté avec lui au fond du puits. Ah, je suis désolé, mon bon Vulcano. Vraiment, vraiment désolé. Je m'en forgerai un autre, ne vous inquiétez pas. Non, je suis désolé pour toi. Ursus ! Pardonne-moi cette petite duperie, Vulcano. Tu m'as trahi. Je n'avais pas l'intention de vous trahir, je me suis juste laissé emporter. Je l'ai jeté dans le puits, car... Cesse, je te prie. Tu seras peut-être intéressé de savoir que je n'ai moi-même pas été tout à fait honnête avec toi. Tu étais en train de t'éloigner de moi. Il fallait que je sache jusqu'à quel point. Et la réponse est inacceptable. Ton béguin pour Lady Kaïtir. Ton mépris pour notre bienfaiteur, Sir Roderick. Ton arrogance. Et à présent, ta trahison. Tu dois redevenir mon fidèle disciple. Jamais. Je vous hais. Tu le feras. Tu vas prendre la place de ce garçon au cours du rituel. Tu vas boire la potion de transmutation, mourir, puis renaître à mes côtés. Et tu sais pourquoi, n'est-ce pas? La transmutation ne fera pas de moi votre esclave. Sauf si j'oublie d'ajouter du mercure dans la potion. Vous allez me faire perdre la mémoire. Ne t'inquiète pas, je serai là pour t'accueillir. Je te prendrai sous mon aile, et je te rappellerai que tu es mon fidèle fils. Tu me serviras pour l'éternité. Dès demain, une fois que nous serons transmutés, nous irons récupérer le traité de la chair, et tu me le traduiras dans son intégralité. Je suis certain qu'il recèle bien d'autres puissants secrets. Le monde nous appartiendra, mon bon Vulcan. Et pour le garçon? Nous avons plus important à faire pour l'instant, mais nous le retrouverons.
Je t'accorderai peut-être même l'honneur de le tuer. Nous avons tout notre temps. Diacre Yago. Hein ? Qui êtes-vous ? Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Gabriel Scarpetta, dernier descendant de la lignée des gardiens de l'Ordre de Yago. Je n'avais encore jamais entendu parler de l'Ordre de Yago. C'est un secret réservé aux protecteurs du traité, les successeurs de Fergus Quinlan. Ce nom-ci devrait vous dire quelque chose. Je suis impressionné par ce que Fergus est parvenu à accomplir. Notre fondateur devait être un homme possédant une force d'âme exceptionnelle. Commencer comme simple serviteur, pour en arriver à se rapprocher d'un pape, puis protéger le traité au Vatican jusqu'à son dernier souffle. L'ordre fut fondé en 1534 sur mandat du pape, et le premier protecteur du traité de la chair fut Fergus Quinlan lui-même. À quel point est-il gardé secret ? Le pape Clément VII en personne a décidé qu'aucun autre pape ne devrait être mis au courant de son existence. Les pauvres papes ont déjà bien assez à faire comme ça, comme vous le direz probablement le pape actuel. L'ordre de Yago a un double objectif : retrouver celui qui a donné son nom à l'ordre afin de lui confier le traité de la chair. Et tant que nous n'y sommes pas parvenus, protéger le livre à tout prix. Je suppose que c'est Fergus qui a donné l'ordre que le traité me soit confié. Vous avez vu juste. Comment Fergus a-t-il pu savoir que la potion de transmutation avait fonctionné et que j'allais survivre pour les siècles à venir ? Notre fondateur est retourné sur les lieux de votre rencontre bien des années plus tard. Et il a entendu parler d'une légende, celle du fantôme du diacre Yago, qui avait surgi des cendres de l'église en hurlant « Qui suis-je ?» avant de disparaître dans les bois. Puis que personne n'a jamais revu. Pourquoi moi ? Il connaissait pourtant mon passé. Parce que vous avez accepté de mourir pour lui, je suppose. Des religions entières sont basées sur ce genre de broutille, paraît-il. Et personne ne s'est jamais lancé à ma recherche depuis ? Il l'a fait. Il y a consacré sa vie. Mais en vain. Et petit à petit, ses successeurs ont cessé de vous chercher. Kovac m'a dit que vous étiez son informateur. Vous m'avez dit que vous lui aviez fourni des informations pour son livre. Le strict minimum, afin de le convaincre de mettre le traité de la chair en couverture de son livre. Je devais trouver un moyen d'attirer votre attention. Il m'a dit que vous l'aviez contacté au Vatican. Comme l'ont fait tous mes prédécesseurs à chaque fois que quelqu'un posait des questions à propos du traité de la chair. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il ne pouvait s'agir de vous. Même si, au final, il s'est avéré très utile pour vous retrouver. Vous avez clairement l'air de savoir qui je suis. Bien sûr. Votre appel, la preuve, le portrait. Tout me ramène à vous. Vous avez laissé un portrait de moi sous un banc. Quand a-t-il été fait ? En 1537, donc pas par moi. À cette époque, Michel-Ange était en train de peindre le jugement dernier de la chapelle Sixtine. Notre fondateur l'a convaincu de dessiner un portrait robot en se basant sur tous les détails de vous dont il arrivait à se souvenir. Pourquoi tous ces tests ? Dans ma chambre, dans le parc ? On n'est jamais trop prudent. J'ai testé votre intelligence, votre persévérance, votre don pour les langues, même votre humanité. Vous empathisez, chien-moi mourir. Vous avez mis le téléphone de Kovac sur écoute. C'est comme ça que vous m'avez trouvé. Exact. Et dès le lendemain, j'ai tenté de faire la même chose avec votre téléphone. Le vol est facile aux premières heures du matin. Les gens dorment encore, ils ne soupçonnent rien. Mais à ma grande surprise, j'ai vite réalisé que quelqu'un m'avait devancé. À votre place, j'éviterai d'allumer votre téléphone. Cela révélerait instantanément votre position à celui qui a fait ça. Merci. Attendez une minute. Vous ne m'avez pas encore dit où se trouve le traité.
Est-il toujours au Vatican ? Non. Il a été déplacé il y a bien longtemps. Où se trouvait-il au Vatican ? Avant la fondation de l'ordre, il se trouvait dans les archives secrètes du Vatican, aux côtés de centaines de livres interdits. Mais grâce à notre fondateur, il fut déplacé dans un coffre secret au sein même des archives et protégé par un mécanisme d'entrée conçu spécifiquement pour vous. Pourquoi a-t-il été déplacé ? Au cours du pontificat du pape Pie VI, la papauté fut confrontée à plusieurs scandales. Malversations, vols, complots au sein même de l'Église. Le protecteur du traité en arriva à la conclusion que le Vatican n'était plus un endroit sûr. Où se trouve-t-il aujourd'hui ? En 1786, l'un de mes prédécesseurs dissimula le livre dans les catacombes d'une ville qui était en train d'y transférer les squelettes de ses cimetières. Là, il a reproduit le même mécanisme d'entrée que le fondateur avait élaboré pour vous. J'y crois pas. Ils l'ont emmené à Paris ? Sous Paris ? Et il y est toujours. Cherchez le triskel dans les tunnels, et vous trouverez le traité de la chair. Au revoir, diacre Iago. Vous n'allez pas venir avec moi ? Non. Je suis enfin débarrassé de mon fardeau. L'ordre de Iago va disparaître aujourd'hui. Nous ne nous reverrons jamais. Merci pour tout, Scarpetta. Je trouverai le livre et je consacrerai ma vie à protéger ses secrets. Je n'en doute pas. Eh bien, réjouissez-vous un peu. Ne réalisez-vous pas que votre vie va gagner un sens que la mienne va perdre ? Dieu vous garde, diacre Iago. Ce fut un honneur de faire votre connaissance. Ouais. Le certificat indique que... Prononcez un mot de plus et je laisse tout tomber. Je dois partir dans 4 heures et je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Chier, quoi! Quelle vieille merde. Enfin bref, Madame Yesterday. Oui ? Les photos ne mentaient pas, ni le certificat, pour ce que ça vaut. C'est une sculpture magnifique. Félicitations. Bien, parlons un peu du prix. Votre mari s'est montré très clair. Il en demande 400 000 euros. C'est bien plus que ce que ça vaut. 100 000 euros, c'est mon offre. Et pas un centime de plus de votre monnaie continentale. Je me fiche de ce que mon mari a pu vous dire. C'est 600 000 euros, à prendre ou à laisser. 500 000 euros. Vendu. Vous trouverez un chèque de 500 000 euros dans cette enveloppe. Et ne me regardez pas comme ça. J'ai des années de marchandage derrière moi. J'enverrai quelqu'un chercher cette pièce cet après-midi. J'ai laissé ma carte à votre mari. Je vais l'activer pour qu'elle indique mon numéro de téléphone au cas où il aurait besoin de m'appeler. Au plaisir, Madame Yesterday. Nous nous reverrons lorsque je repasserai par Paris. Nous avons tant en commun. Tu es sûr que c'est là qu'on avait rendez-vous ? Bien sûr, Chuck. Tu veux que je l'appelle ? Salut, Boris. Ah, t'as vu ? Joyeux anniversaire, Taupe ! Salut, John. Ton visage me dit quelque chose. Pauline nous a présenté au cours d'une fête. T'étais déguisé en Einstein, j'étais déguisé en Santa Muerte. Ton pote Boris était en... Boris. Ah, ben voilà, c'est ça. On a apporté du matériel d'escalade, comme tu l'as demandé à Boris. Dis-moi que t'as pensé à prendre des lampes. Boris n'a pas parlé de lampes. Bah ouais, pourquoi donc ? C'est pas comme si vous comptiez descendre dans des tunnels souterrains vieux de plusieurs siècles. Enfin bon, t'en fais pas, j'ai des lampes pour tout le monde.
Boris m'a prévenu qu'il faudrait passer à la caisse. 2000. Et si les cataflics nous tombent dessus, t'as intérêt à payer mon amende. Sinon, il faudra en assumer les conséquences. Si c'est trop cher pour toi, bon courage pour trouver quelqu'un qui connaisse les tunnels aussi bien que moi, et qui connaisse l'escalade, et qui s'en tape autant que moi des lois. Ok. Jette un coup d'œil à ça. As-tu déjà croisé ce symbole quelque part dans les catacombes ? Ça se pourrait bien. C'est assez loin, dans l'une des sections inaccessibles aux touristes. Cool. Tu pourrais nous y emmener ? Bien sûr. Mais nous devons d'abord clarifier quelques détails. Allez, on se grouille. Il se trouve au bout de cette galerie. Je vais monter la garde ici. Si les cataflics se pointent, je les attirerai ailleurs, le temps que vous preniez la fuite. Si vous avez besoin de moi, pointez par ici avec ça. Qu'est-ce qui se passe ? Un problème ? Ouais, possible. Je sais que tu n'es pas très proche de Pauline, mais t'aurait-elle parlé de quelque chose ces derniers jours ? Pauline ? À moi ? T'es sérieux ? On n'était déjà pas copines à la grande époque, et depuis, pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Et pour tout dire, le groupe m'a tourné le dos lorsque j'ai rejoint les cataflics. Mais Pauline s'était déjà barrée depuis longtemps. Ce que je cherche se trouve probablement de l'autre côté de cette grille. Tu sais comment l'ouvrir ? Non, j'ai essayé une fois, mais sans succès. T'as même pas fait mine d'être surprise lorsque Boris t'a souhaité joyeux anniversaire. Il est toujours sur mon dos depuis le jour où je lui ai filé mon numéro au cours d'une teuf. Putain d'alcool. Il est vraiment barré, lui. Mais bon, aujourd'hui il m'a appelé pour du boulot, alors je l'ai pas envoyé se faire foutre. Il va vraiment falloir faire de l'escalade pour traverser ces tunnels ? Ça dépend d'où tu veux t'aventurer. Certains n'ont même pas de sol, et il faut se débrouiller pour passer en s'accrochant au mur.
J'ai dû pas mal m'entraîner pour pouvoir rejoindre les cataphliques. Tu peux me croire. Tu as dit que la police des catacombes allait passer bientôt? D'ici une heure, peut-être moins. Et puis, bon, c'est valable à condition qu'ils aient pas changé leur planning depuis mon départ. Boris m'a dit que tu as fini par te faire virer des cataphliques. Ouais, certaines choses changent pas. Genre moi. On peut pas en dire autant du pif du flic qui m'a mis la main aux fesses. Pourquoi as-tu décidé de rejoindre les cataphliques? Pour l'argent. Je sais, ça peut paraître bizarre venant de quelqu'un qui a fait les mêmes conneries que Pauline étant jeune. Le reste du groupe a trouvé ça chelou aussi. Mais je les emmerde toutes. Es-tu sûre de ne pas avoir vu le symbole du médaillon ailleurs? Franchement, non. Mais c'est le seul endroit où je l'ai remarqué. Et je connais ces tunnels comme ma poche. Ok, les cataphliques patrouillent souvent dans la zone qui t'intéresse. Ils passeront dans un peu moins d'une heure, s'ils n'ont pas modifié leur itinéraire. Boris m'a dit qu'avant de rejoindre les cataphliques, tu étais guide touristique dans les catacombes. Et je passais mes journées à répondre encore et encore aux mêmes questions à la con. De quel genre de blague parles-tu? Oh, regarde, c'est papy! Toujours les mêmes trucs débiles. Et le pire, c'est que ça marche à chaque fois. Ça les fait tous mourir de rire. Tous ces squelettes n'étaient pas là, à l'origine? Question débile numéro 1. Ces squelettes ont été entreposés ici entre 1786 et 1788, car les cimetières de Paris étaient totalement saturés. Même dans la mort, les Parisiens ont toujours tendance à vivre au-dessus de leurs moyens. Quel rapport les nazis ont-ils avec ces tunnels? Question débile numéro 2. Bref, ces connards ont bâti des bunkers souterrains au milieu des tunnels, à environ 6 km d'ici. Le plus marrant, c'est qu'ils se doutaient même pas que la Résistance utilisait ces mêmes tunnels pour s'échapper. Des messes noires ont été célébrées ici? Question débile numéro 3, félicitations! Il reste quelques trucs chelous dans certains tunnels. Tu n'y aurais pas remarqué un symbole ressemblant à un Y par hasard? Non, pas vraiment. Es-tu bien sûr qu'on lui avait coupé la jambe gauche? C'est vraiment important? Es-tu bien sûr qu'on lui avait coupé la jambe gauche? C'est vraiment important? Je suis persuadé que nous devons franchir cette grille. Mais je n'arrive pas à trouver comment. Tu peux me donner un coup de main ?
Bien sûr, Chok. Je suis à toi tout de suite. J'ai juste un petit truc à finir avant. Tu ne quittes pas ce crâne des yeux. C'est mon grand-père. Je lui demande s'il saurait pas où est passé mon Danny. Les squelettes ont été déplacés ici au 18e siècle. Et ils étaient déjà vieux. Ça ne peut pas être ton grand-père. Alors c'est mon super méga arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, hein ? Quelle importance ! Alors, comme ça, ton grand-père te parle ? Pas là, non. Il est en train de demander à d'autres morts. Au cas où quelqu'un se trouvait dans les parages quand Cadway Station s'est effondré. Je suis sûr qu'il va me trouver quelqu'un qui lui dira où est passé mon Danny. Tu n'as pas besoin d'interroger ce crâne. Je peux te dire ce qui s'est passé. Tout le monde peut te le dire. Non. T'étais pas là quand c'est arrivé. Et moi non plus. J'étais en retard. Mais mon grand-père est au paradis, donc il peut tout voir. Es-tu sûr que Pauline ne t'a pas dit où elle allait ? Encore une fois, non. Comme si elle était du genre à me dire des trucs à moi. Je l'ai vu que ce matin, quand Baxter est passé pour lâcher un paquet de pognon en échange de cette statue japonaise. Merci d'avoir arrangé le coup avec Taupe. Dès que t'as prononcé le mot « catacombe », son nom m'est venu à l'esprit. Enfin, pas qu'à l'esprit. Depuis que je l'ai rencontrée dans cette fête, elle a aussi tendance à affecter à... une autre partie de moi. Joyeux anniversaire ! Mais bon, là, je suis bien trop occupé pour m'occuper de cette partie-là.
J'ai ouvert la grille, mais pour aller plus loin, il va falloir traverser une passerelle cassée et un puits. Tu pourrais peut-être passer une corde à travers les anneaux, ensuite je pourrais passer en sécurité. J'ai éclairé le puits. Il doit bien faire 15 mètres de profondeur. Je pourrais, mais je le ferai pas. J'ai pour habitude de jamais traverser un gouffre sans savoir ce qu'il y a au fond. Trouve une autre solution, ou bien laisse tomber. Je suis en train d'essayer de faire sortir ces pivots du sol. J'ai éclairé le puits. Il doit bien... Ok, on se bouge. Je pourrais, mais je le ferai pas. J'ai pour habitude de jamais traverser un gouffre sans savoir ce qu'il y a au fond. Trouve une autre solution, ou bien laisse tomber. Thank you.
Tu ne quittes pas ce crâne. C'est mon grand. Ça va? Tu t'habitues à la lampe? Bien sûr! Pourquoi tu me demandes ça? Maintenant, je vais avoir peur qu'elle s'éteigne. Enfin, heureusement, j'ai toujours le briquet que tu m'avais offert à Kadoué. Tu pourrais me prêter ton briquet? Non, non! Et si jamais ma lampe s'éteint? Franchement, cette lampe ne risque pas de s'éteindre. Qu'est-ce que t'en sais? Tu es tellement près du mur qu'elle n'éclaire qu'une toute petite surface. Ça économise pas mal d'énergie. Arrête, Chalk! Les pilules que je prends font pas de moi un idiot. Oh, désolé. T'es sûr que ma lampe risque pas de s'éteindre? Sûr et certain. Ok, je te crois. Tu pourrais me prêter ton briquet? Ok, mais si tu le perds, viens pas m'accuser de te l'avoir prêté.
J'ai éclairé le puits. Il doit bien faire 15 mètres de profondeur. Ok, on se bouge. Ben, apparemment, t'es sur la bonne voie. Allez, on y va. Et voilà. Eh, hey, t'évites de crever, merci. Cher Diacre Yago, si vous lisez ceci, mes soupçons étaient justifiés. Et vous avez été transmutés. Et si vous avez réussi à arriver là, alors l'ordre de Yago n'est pas aussi sûr qu'il devrait l'être. Ce sera désormais à vous de protéger le traité de la chair. Je vous considère comme un démon repenti pour la cause divine, une sorte de nouveau saint Paul, et je me félicite d'avoir été à l'origine de cette rédemption. Non seulement vous m'avez sauvé, mais vous avez également donné un nouveau sens à mon existence. Je prie pour parvenir à offrir aujourd'hui un nouveau sens à la vôtre. Que Dieu vous garde, mon ami Yago. Fergus Quinlan, Rome, le 27 octobre 1558. Thank you.
Brouille-toi! Les cataflics vont arriver! Boris, on bouge! C'est bien ça que tu cherchais? Oui! Bonjour. Amanda? Vous? J'ai perdu votre trace à New York, mais grâce au portable de votre ami, j'ai réussi à vous retrouver. Maintenant, on va vous attacher, vous monter sur le bateau, et si vous tentez quoi que ce soit, il meurt. Ça vous va? Mon bon Vulcano. Non. Ce n'est pas possible. Rhinès est mort à Saint-Fergus, il y a 500 ans de cela. L'Inquisition l'a tué. Elle a brûlé l'église et son corps avec. Je crains que tu ne sois dans l'erreur. Une seule pièce suffisait pour transmuter deux personnes. Vous êtes immortel. Après t'avoir fait boire et t'avoir poignardé, Ursus m'a confié l'autre moitié de la potion quelques secondes avant l'intrusion de l'Inquisition. Lorsqu'ils ont mis le feu à l'église, j'ai bien cru que j'allais suffoquer dans ma cachette. J'ai rapidement versé du mercure dans la potion et je l'ai bu. Mais je ne suis pas mort. J'ai attendu deux nuits avant d'enfin oser quitter l'église. Je t'ai cherché au milieu des corps calcinés, mais... comment aurais-je pu te reconnaître? Comment pouvais-je être sûr que la potion avait fonctionné? Elle a fonctionné. Je suis toujours en vie. Et vous aussi. Et vous savez quoi? Vous m'avez sauvé la vie autrefois. Lorsque vous me l'avez prise des années plus tard, vous m'avez offert une chance de la récupérer. Et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes quittes. Tu m'envoies heureux de la prendre, car je vais avoir besoin de ta compassion. Je t'en supplie. Accorde la paix à l'âme de ce pécheur. Je veux que tu prennes ma vie. Je veux mourir. Une bonne fois pour toutes. Pour de bon. Et toi seul peux m'y aider. Mon fils. Ursus! Je t'avais bien dit qu'il n'arriverait rien. Je t'en prie, suis-moi. Prends le coffret de sommelier et souffle les bougies. Notre hôte arrivera à la tombée de la nuit. En attendant, réfléchis à ma requête, s'il te plaît. Il est où l'autre ?
Pauvre Ronald. Adieu, fidèle jardinier. Vous aviez vraiment la main verte. Il a pleuré des larmes de sang en commençant à le lire, comme vous l'aviez dit. Salut, mon chou. Monsieur Yesterday. Amanda, retrouvez-nous l'autre cinglé. Il doit bien se trouver quelque part. Lenny, apportez la table d'alchimie de Rhinès. Et nettoyez-moi ce merdier! Eh bien, eh bien, eh bien. Pourquoi faites-vous cette tête? Si vous faites quoi que ce soit, Pauline... Ah, bah à vrai dire, c'est déjà fait. Je l'ai rendu riche. Vous ne pensiez tout de même pas que j'avais volé le Nio. Ne vous en faites donc pas à propos de votre petite amie mortelle. Tant qu'elle évitera de se mêler de cette histoire, elle n'aura rien à craindre. Qu'avez-vous fait de Boris? Ce que nous en avons fait? Ce que vous en avez fait? Lenny vient de me signaler sa disparition. N'essayez pas de me tromper. Où est-il? Rhinès, auriez-vous oublié de me préciser quelque chose à propos de Vulcano? Serait-il doté de... pouvoirs dont nous n'aurions pas été informés? J'espère bien que non, ma petite Vic. Ma petite Vic? N'ayez pas l'air aussi surpris, Monsieur Yesterday. Je connais le père Rhinès depuis bien longtemps, depuis que je l'ai rencontré dans cet hospice. Je ne supporte pas les mioches qui braillent. Va-t'en! Vous n'êtes pas gentil, monsieur. Quand un enfant pleure, on est censé essayer de le consoler. Satan, prenez-moi maintenant. Tu ne bougeras pas d'ici tant que je ne t'aurai pas demandé ce qui t'arrive, n'est-ce pas? On m'a dit que mon grand-père était ici, mais je n'arrive pas à le trouver. J'étais entrée dans le premier hospice que j'avais trouvé. Il ne m'était jamais venu à l'idée qu'il puisse en exister plusieurs, ni que mon grand-père se trouvait dans le...